Attentat au cœur du Caire ce dimanche matin. Une bombe a explosé près du ministère égyptien des Affaires étrangères. Deux policiers ont perdu la vie, l'un sur le coup, l'autre a succombé à ses blessures. Les forces de l'ordre sont fréquemment les cibles d'attentats revendiqués par des groupes djihadistes. Ils affirment agir en représailles à la répression meurtrière lancée contre les partisans de Mohamed Morsi, qui fut renversé par l'armée en juillet 2013. Plus de 1 400 personnes ont été tuées dans des manifestations pro-Morsi et plus de 15 000 membres ou sympathisants des Frères musulmans ont été emprisonnés.